بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis content de vous présenter la suite de la leçon du futur simple de l'indicatif. أعزائي الكرام، يسعد لقياكم في تتمة درس المستقبل البسيط. لمن لم يشاهد الدرس الأول، سوف أضع له الرابط في أسفل إن شاء الله. Je me rappelle. لنتذكر جميعا القاعدة. Complète la règle. Le futur simple de l'indicatif exprime une action qui se déroulera quand? في الماضي, في المضارع, في المستقبل. إذن سيقع في المستقبل. Dans le futur. Bien. Formation. ماذا يتكون? يتكون المستقبل البسيط من verbe à l'infinitif, asl fi'l, nadifu ilayhi, khawatim, plus la terminaison. Alors, les terminaisons, nous avons a-i dans le pronom j'ai, dans le pronom tu, ça veut dire la deuxième personne du singulier, la terminaison si as, bien. La troisième personne du singulier a. La première personne du pluriel, damil awal fil jama, nous avons o, in, s, bien. La terminaison de la deuxième personne du pluriel, e, z. Et dans la troisième personne du pluriel, ça veut dire il ou bien elle avec s, nous avons o, n, t. Alors, les terminaisons ne changent pas. Il reste toujours a, i, a, s, a, o, n, s, e, z. Bien, maintenant, on passe aux exercices. Je m'entraîne. Complète les phrases en conjuguant les verbes au futur simple de l'indicatif. Demain, à l'occasion de la journée de la Terre, Eden Raden, بمناسبة يوم الأرض nous planter. Planter, c'est un verbe du premier groupe. Alors, on va mettre ici l'infinitif puis nous allons ajouter la terminaison de nous. إذن سنأخذ أصل الفعل ونكتبه ثم في الأخير نضيف إليه ONS وهي ختمة ضمير nous. إذن سنقول nous planterons. أصل فعل هو planter نضيف إليه O in S des arbres. إذن سنغرس أشجار. Est-ce que vous, le verbe organiser, alors ici nous avons le pronom vous, le dernier dameur vous, alors on va mettre l'infinitif du verbe organiser et on va mettre la terminaison de vous, c'est EZ. إذن خاتمت vous, il y a EZ, ça nous dit, fouha, il a as, l'elfiel. C'est un octobre organisé, comme un organiser des séjours en camping cet été. Alors, le garde forestier, Haris Lraba, transporter. Alors, ici, on va le conjuguer au futur. Nous avons le garde forestier. On va le remplacer par il. Le pronom il, c'est la troisième personne du singulier. Alors, on va écrire transporter. Puis, on va ajouter la terminaison de il. Ça veut dire a. Alors, on va dire le garde forestier transportera l'animal blessé chez le vétérinaire. Très bien. Maintenant, on passe à un autre exercice. J'entoure la forme correcte au futur simple de l'indicatif. Alors, nous avons ici ce soir, je. Bien, je. Est-ce qu'on va dire chanterai ou bien chante? Ou bien chantant. إذن هنا نبحث على الكتابة الصحيحة في المستقبل.
Alors, on cherche ici la forme correcte du futur. Très bien. Alors, je. Quelle est la terminaison de je au futur? La terminaison de je, c'est AI. Bien. Alors, que dit la règle? La règle dit qu'on met le verbe à l'infinitif, puis on ajoute la terminaison. Et dans ma data, on a le qaïda, on a le asla le fiel, on a le défaut, le khatima. اذا ما هي خاتمه الضمير جو في المستقبل اذا هي اي اذا الجواب الصحيح هو شانتري لدينا اي اذا شانتي هو اصل الفعل nous avons ici chanté c'est l'infinitif et اي c'est la terminaison alors on va entourer chanterai très bien autour du feu haoula النار Demain, demain, c'est un indicateur temporel du futur. Est-ce qu'on va dire, nous grimpons, ou bien grimperons, ou bien grimpons. Ici, on cherche la forme correcte du futur. نبحث هنا عن الكتابة الصحيحة للمستقبل. ماذا تقول القاعدة؟ القاعدة تقول نضع أصل الفعل. ثم نضيف إليه خاتمة نو نو ما هي خاتمة نو هي ONS ما هي الكتابة التي يوجد في آخرها ONS l'écriture où on trouve la terminaison ONS à la fin c'est grimperons alors nous grimperons sur l'arbre alors nous avons grimperons bien maintenant on passe à l'exercice 4 complète ce texte en mettant les verbes au futur simple de l'indicatif. المطلوب منا هو تصريف هذه الأفعال في المستقبل البسيط. Demain, le verbe aller. Le verbe aller, c'est un verbe de troisième groupe. وفيل مجموعة ثالثة. إذن عند تصريفه هي تغير تماما. إذن نقول j'irai. Ici, nous avons la terminaison ai. J'irai. Demain, j'irai, ça va être avec mes parents en forêt. Nous, ici nous avons porté, excuse, il nous faut un R ici, je vais l'ajouter. Nous, porter. Alors, on va écrire l'infinitif porter, puis on va ajouter la terminaison de nous. Les synaxes asla al-fi'l, yani, porter kamilatan. Tout le monde a la terminaison de nous, التي هي ONS. Et ça nous dit, nous porterons bien des espadrilles et des casquettes. Ma sœur, on peut la remplacer par elle. Ça veut dire la troisième personne du singulier. Donc, nous n'attendons pas elle. Alors, le verbe faire aussi, c'est un verbe du troisième groupe. Attention, lui aussi, il change. Alors, on va dire, ma sœur fera. Nous avons ici, dans l'infinitif AI, mais ici, il devient E, fera. Bien, ici, A, c'est la terminaison des troisième personne du singulier. Une randonnée avec nous. Bien. أعزائي الكرام إلى هنا انتهى درسي لهذا اليوم أمل أن أكون قد وفقت فيه وإن كان كذلك لا تبخل علينا بالاشتراك في القناة وضغط على زر الجرس ولا تنسوا كذلك ضغط على زر لايك وترك تعليقكم ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم بالضغط على زر بارتاجي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته